S'adressant aux millions d'Européens qui se sentent dépossédés de leur vie, l'extrême droite a réussi à faire coïncider dénonciation de la corruption des élites, populisme islamophobe et un sentiment anti-européen en une seule et même plateforme. Pour ma part, je veux prendre le parti de l'espérance, comme je le fais dans cette campagne présidentielle avec le projet que je propose aux Français. Je propose aux Européens de prendre le parti de l'espérance, de prendre le parti de la transformation en nous en donnant les moyens. Moi, je ne renonce pas, je ne veux pas être de la génération des dirigeants politiques européens qui ont permis la dislocation du projet européen. Parce que derrière la dislocation du projet européen, vous savez ce qu'il y aura. Il y aura des conflits, il y aura des tensions. Et nous n'échapperons peut-être pas à la guerre. Le TEDEM, puisque nous l'avons appelé ainsi, et que